va essayer de le serrer en même tension que celle-là. Parce que le métier, le petit métier, il utilise beaucoup la tension pour garder les peines. Ah, ok. Parce qu'il y en a un qui était de trop, qui était mal placé, puis il avait du compte qu'on l'avait besoin dans une autre fente, fait qu'il est croisé un peu. Ça ne dérange pas. Non. C'est juste qu'il faut juste faire attention. Il faut pas ça. On va mettre à sa place. Bon, fait que ça, OK. Je sais qu'au début, on fait. On fait, ouais, au début, on fait comme. Ça. Et voilà. Dans le sang. Ouais, c'est ça. Fait que, mais la prochaine chose que tu vas faire, tu vas me donner une réglette qui est le plus longue. Parce qu'elle, on va l'utiliser pour envoyer ton corps. OK. Fait que, on va. On a une à acheter, mais on a une à casser. OK, là, tu mets les deux d'en haut. Moi, ça, il va falloir que j'écrive. Tu vas voir, tu vas tuer les patrons avec des tricots en fait. Est-ce que tu tricotes? Oui, je tricote. OK. Il y a un vieux bouffon. Moi, je comprends. OK, un fil, c'est pas à mon goût, là. Ça veut dire les deux en haut. Ouais. Le pain en haut. Je l'ai. Je l'ai. Ce que j'ai fait, c'est justement, j'ai voulu que je descende une en bas pour l'avoir. Ah, OK. Ouais. Que j'ai descendu pour le savoir, là, j'ai descendu celle-là, je pense. Si on est, ouais, j'ai descendu celle-là.
J'ai descendu celle-là. Et ça trouve avec le premier pain. En arrière, oui. J'ai descendu celle-là pour ensuite mettre le bâton pour que tu puisses avoir ton cadre 3-4. Puis là, quand tu vires en haut. Tu le ramènes en haut. Pour cadre. Ok, ça veut dire le premier pain, tu le mets en bas. Le premier pain, c'est toujours celui en avant de toi. Ah, ok, mais c'est le deuxième. Oui. Moi, je parlais de lui. Oui. J'ai le deuxième pain en bas. Oui. Puis ça te permet d'avoir ton lessage. Puis celui en avant, on le met où? Bien, je l'ai mis en haut pour justement pour croiser les fils, pour avoir le croisement des fils. Ok. Vous voyez? Puis le premier, lui, il reste lequel? Bien, le premier, je l'ai mis en haut, puis là, celui okay, le premier. Ici, je l'ai mis en bas pour pouvoir mettre mon bâton okay. En arrière pour avoir le losange. OK. Ouais. Tu vois? Ouais, tu le vois, là, j'ai pu mettre mon bâton, puis lorsque je le mets en haut, puis je mets... Ah, ouais, tu mets ça fait un losange. Ouais, c'est ça. Puis en haut, c'est ça. Ouais. OK. OK? Ouais. Fait quand tu ne l'utilises pas, tu le mets ici, tu le mets ici en arrière, puis ça, c'est aux positions là. Là, tu le sens. Oui, c'est ça. OK. Fait que là, je pense qu'elle est prête. OK. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ton... T'as un peu de fil. On va utiliser ça comme fil. Puis... Ici, pour la réglette, parce que ça, ils n'utilisent pas les réglettes. Ouais, moi, j'ai la bobine. OK. Si tu utilises la bobine, viens à toi. Mais sinon, la réglette, là. Sinon, c'est en façon, ouais. C'est que si tu utilises la réglette, là. On va juste te montrer. Tu mets ensemble comme ça, puis tu fais comme un chiffre 8. Là. Ah, OK. Okay. Oui. Puis là, ensuite, tu le tournes. OK. Comme ça. Ça donne. Tu vas avoir plusieurs réglettes comme ça. Oui, mais j'ai ça, puis j'ai un petit chiffre. Il y en a un qui est à côté, mais. Tu veux faire, tu peux soit mettre ton métier comme ça, ouais. Ou tu peux acheter, j'ai apporté un support, juste au cas où tu es intéressé. Puis c'est comme un support sur prêt, okay. Tu peux rentrer okay, le métier, puis le verrer comme tu veux. Okay. Donc, si mettons, tu es dans le salon, puis tu veux voir un vue en même temps que tu tisses, tu peux avec ça. Okay. Mais pas nécessairement, tu veux t'asseoir ici tout le temps. Oui, c'est moi qui les prends. Fait que. Quand tu dis la suite. Et tu vois, moi je vais te donner un autre.